la visite au centre CID aujourd'hui, c'était pour confirmer qu'on a reçu certains documents que nous avons demandé au centre CID avant de pouvoir donner le statement qu'ils veulent prendre de notre client. Il y a encore des documents que nous n'avons pas reçus. Nous avons réitéré notre demande aujourd'hui. Nous espérons avoir ces documents sous peu. Et aussitôt que ces documents seront soumis à la défense, nous serons dans une meilleure position de conseiller notre client. À la suite de ces conseils, notre client viendra donner sa déposition comme prévu. Nous ne pouvons pas vous donner un timeline. Nous pensons que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ça devrait être bien. Merci. Maître, peut-être une petite question additionnelle. Selon la procédure, comment ça se passe dans ces cas-là? Écoutez, je ne peux pas vous parler de la procédure de la police. Je pense qu'on doit garder le secret de l'instruction et que nous ne pouvons divulguer plus que ce que je vous ai dit aujourd'hui. La police a ses procédures et nous nous soumettons aux procédures qui nous considérons être des procédures qui sont totalement légales. Pas d'autre chose à dire. Une dernière petite question, excusez-moi. Est-ce que vous êtes déjà au courant des charges qui pourraient être... C'est dans la presse, non? Vous avez le nom. Le nombre. Moi aussi, j'ai lu. C'est 23. Donc, il n'y a rien de confirmé. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, excepté qu'il semblerait que vous êtes mieux informé que tout le monde. Pas d'autre chose à dire. Donc, pour l'instant, pas d'autre rendez-vous avec le CICID. Le rendez-vous est pris, mais la date n'est pas précisée. Pour cette semaine ou la semaine prochaine? Comme je vous ai dit, ce sera probablement la semaine prochaine. Je ne sais pas là-dedans. C'est bon.